la classe. Eh oui, je donne aussi des cours l'été. Alors, la question du jour est... Professeur Cacahuète, pouvez-vous me dire pourquoi mon cochon d'Inde donne des coups de tête? Ah ah! Tout à fait. Vous avez sans doute remarqué que lorsque votre cochon d'Inde donne un coup de tête quand vous caressez sa tête, justement, ou alors quand il est à l'entrée de sa cabane, ou quand il se glisse dans un dodo, ses réactions sont on ne peut plus normales. Le meilleur moyen de comprendre le comportement d'un cochon d'Inde est avant tout de revenir à ses origines sauvages. Et oui, même si nous sommes aujourd'hui, après des siècles de domestication des animaux différents de notre cousin sauvage, nous gardons dans notre ADN des réflexes liés à ce qui a permis à notre espèce de rester en vie ou d'évoluer pendant des millions d'années. Avant tout, nos prédateurs principaux sont les rapaces. Autrement dit, un ennemi venant du ciel. C'est pourquoi nous détestons être à découvert. Nous rasons les murs dans la maison quand nous nous déplaçons. Ou nous avons peur lorsqu'une ombre passe au-dessus de notre tête. Et donc, pour brouter l'herbe qui est notre alimentation principale, nous ne nous aventurons pas dans les plaines à l'herbe rase où nous serions exposés au danger. Mais nous restons cachés dans les herbes hautes. Le seul souci, c'est que si nous marchions sur l'herbe, bon, déjà, c'est dur d'écraser des grands brins d'herbe quand on est aussi court sur pattes, hein. Mais surtout, l'herbe serait aplatie et ne nous cacherait plus. Donc, nous formons des galeries dans les hautes herbes pour pouvoir nous y déplacer comme dans des galeries de terriers, tout en étant cachés depuis le ciel. Et former ces galeries, ben, je vous le donne en mille. Comment s'y prend-on ? En donnant des coups de tête vers le haut ou sur les côtés, ou des coups d'épaule aussi parfois. Pour façonner l'herbe, nous avons gardé ce réflexe de pousser les éléments qui sont trop proches de notre corps pour agrandir l'espace et être moins serré. Alors, ça fonctionne pas mal avec un dodo en tissu hein, quand on est domestiqué, mais c'est vrai que quand il s'agit d'une cabane en bois ou d'un meuble, ça marche beaucoup moins bien. Et si toi aussi tu as une question, n'hésite pas à me la poser au hashtag Pourquoi les cochons d'Inde ?